suis Marie-Stéphane Grison, chargée de projet de développement durable à la régie de quartier Villeneuve Village Olympique. Et Thomas Pédron-Trouvé, du café associatif Le Baratin. Alors notre projet, c'est celui d'un double équipement pour le parc de la Villeneuve. Une cuisine ouverte aux habitants où l'on prépare le cru et un four où l'on cuit à peu près tout ce que l'on peut cuire. D'où le nom de notre projet, le cru et le cuit. L'idée commune de la régie de quartier du Baratin, c'était de proposer un nouvel équipement véritablement ouvert et accessible dans le parc de la Villeneuve afin de permettre aux habitants et aux associations qui le souhaitent d'organiser des événements populaires et rassembleurs. On s'est dit que les deux équipements pouvaient se combiner à merveille afin d'avoir un espace cuisine où l'on assure les préparations, une cuisine suffisamment bien équipée pour faire de la vraie cuisine et un grand four à bois dans lequel on pourrait préparer du pain évidemment, mais également des pizzas, des tartes, voire même des grillades. Nos deux projets, ils se construisent vraiment autour de cette idée de lien social, de convivialité, mais aussi autour de l'alimentation saine et locale.